Bonjour à Afoussoua, comment tu vas? Très bien, Viva. Très bien, merci. Tu as créé la première marketplace dédiée pour les cheveux. Oui. Oui. Alors, d'où te vient l'idée Alors, l'idée, en fait, ça fait très très longtemps que je défrisais les cheveux. En fait, plus de 20 ans, j'ai gardé mes cheveux défrisés. D'accord. Et à plusieurs reprises, j'ai eu envie d'arrêter, mais je n'avais jamais eu le déclic. Parce que je voulais avoir une coiffure dite professionnelle dans le monde du travail. Oui. Et comme je cherchais souvent du travail, c'était un peu une coiffure un peu imposée par la société. Oui. Ce qui fait que je retardais toujours ce moment. Et au moment où j'ai eu mon fils, qui est métisse, oui, qui a les cheveux bouclés, en grandissant, il me disait qu'il n'aimait pas ses cheveux. Et moi, je lui disais qu'il avait des cheveux magnifiques, mais ça ne passait pas. D'accord. Et vers 6 ans, il a dit qu'il n'aimait pas du tout ses cheveux, que c'était moche et qu'il voudrait tout couper, et qu'il aurait voulu avoir les cheveux lisses comme papa, qui a les cheveux lisses, et maman aussi. D'accord. C'est là que j'ai eu le déclic, parce que je me suis dit, je n'ai pas les cheveux lisses, je ne lui donne pas un bon exemple, parce que si moi je renie mes cheveux naturels, comment est-ce que je peux lui faire accepter ses cheveux naturels à lui? D'accord. C'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter le défrisage et de retrouver mes cheveux au naturel. Mmh. Et donc, en cherchant des produits adaptés à ma nouvelle texture de cheveux, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était super compliqué de trouver ce dont on a besoin, que ce soit dans les commerces traditionnels ou même sur Internet. Il y avait beaucoup d'offres, mais il y en avait tellement sur tellement de sites qu'on ne savait plus où trouver le bon produit, le bon conseil. Mmh. Et du coup, c'était beaucoup de perte de temps, et d'argent et d'énergie. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer une marketplace qui est en fait une plateforme digitale qui réunirait tout ce qui est sur le net, sur une même plateforme. Donc, l'idée, c'est d'avoir différents vendeurs, que ce soit des commerces en ligne ou bien des commerces physiques, où ils proposeraient leurs produits également sur cette plateforme. D'accord. Ce qui permettrait de tout centraliser et de faciliter la recherche pour les consommateurs. D'accord. Donc, le déclic, ça a été ton fils. Exactement, d'accord, c'est ça. Je lui dis merci, d'ailleurs. C'est bien parce que du coup, c'est un déclic, mais en même temps, ça a permis de toi accepter tes cheveux, finalement. Totalement, oui. Et aussi, lui, de l'aider à accepter ses cheveux. C'est ça. Beau. En fait, je me suis dit, pour l'aider à s'accepter, il faut que je m'accepte moi-même. Mmh. Et sur beaucoup de choses, hein, mon fils m'a un petit peu révélé à moi-même parce que tous ces petits tracas, ces angoisses, en fait, je me suis rendu compte que moi aussi, je les avais. Oui. Je ne les avais pas forcément résolus. Et pour l'aider à les résoudre, il fallait que je les résolve moi-même. Donc, c'est un cheminement que j'ai d'accord dû faire moi-même pour aider mon fils à être bien et à s'accepter tel qu'il est. C'est beau. Et bravo. Merci. Parce que ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Mais c'est beaucoup de travail. Exactement. C'est un travail sur soi-même, mais ça vaut le coup de voir son enfant heureux et bien dans sa peau. Ma question, c'était pourquoi un site dédié aux cheveux? Pourquoi les cheveux et pas d'autres choses? Ça pouvait être la peau, ça pouvait être les vêtements. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Alors, en fait, il y a plusieurs raisons qui ont fait que je me suis focalisée sur les cheveux. D'une part, c'est parce qu'il y a une demande, oui, et il n'y a pas l'offre. Mmh. En tant que personne afrodescendante ou métisse, on a des besoins beaucoup plus importants pour prendre soin de nos cheveux. Mmh. Et pourtant, on trouve presque rien ou pas grand-chose dans les commerces de proximité. Et c'est ce qui m'a motivée à compenser ce décalage entre l'offre et la demande. Parce que pour les produits, les cosmétiques pour la peau, on peut aller à Sephora, on peut aller dans les supermarchés. Oui. On en trouve facilement, même si ce n'est pas toute l'offre qu'on aurait souhaité. Oui. Mais il y a quand même, le choix. Oui. Alors que pour les cheveux, peut-être que 10%, et encore, je suis généreuse, 10% de ce qui existe se trouve dans les commerces. Et encore, peut-être 5%. Mmh. C'est vraiment... en fait, on nous impose un produit, une marque dans les commerces, alors qu'il y en a des milliers d'autres et qui sont beaucoup plus adaptés à notre texture de cheveux que ce qui est proposé dans le commerce.
Donc, moi, ma volonté, c'est vraiment de donner le choix aux consommateurs d'acheter ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin, et pas juste parce que c'est ce qu'on leur a mis sous le nez. D'accord. Et c'est vraiment pour cette raison-là que je me suis focalisée sur les cheveux, sur les parce que c'est là où il y a le plus de besoins. D'accord. Du coup, tu l'as appelée Zawema. Mm-hmm. Je suis curieuse de savoir pourquoi Zawema et qu'est-ce que ça signifie Zawema. Alors, Zawema, en fait, je voulais trouver un nom qui sonne anglais pour imaginer un développement à l'international. Oui. Mais j'ai pensé aussi aux francophones. Oui. Et puis, je voulais un nom français, mais qui parle, qui soit poétique, qui soit doux et qui parle vraiment de ma volonté de servir aussi à la population. Oui. Et je n'ai pas trouvé, ou ce que j'avais trouvé, c'était déjà pris par d'autres. Oui. Ce qui fait que j'ai pensé aussi à quelque chose qui parle de mes origines, puisque je suis d'origine comorienne. Mmh. Du coup, j'ai cherché des noms qui ont une consonance africaine qui soient aussi faciles à prononcer. Et un peu par hasard, je suis tombée sur une chanson comorienne qui disait, qui parlait de ce mot, qui disait Ouema. Et oui. Ouema, en comorien et en swahili en particulier, oui. ça veut dire le bien et le beau, ce qui est bien et ce qui est beau. Et ça m'a parlé tout de suite. Après, j'ai rajouté, on va dire, le préfixe oui. za, parce que za, ça veut dire ce qui est beau. Ouema, ça veut dire beau. Oui. Mais za ouema, c'est ce qui est beau. C'est beau, d'ailleurs. Voilà, tu l'as bien résumé. Et l'idée, c'est de faire un clin d'œil à mes origines, mais aussi de dire que le cheveu afro et le cheveu bouclé est beau. N'en déplaise à d'autres. Peu importe ce que disent les gens, peu importe ce que montrent les médias et la société, le cheveu est beau et il faut que nous, on l'accepte, on le sache, oui. pour que les autres le sachent aussi. Oui. Mais si nous, on ne l'accepte pas, ils ne vont pas l'accepter. Oui. Ce n'est pas eux qui vont faire le travail pour nous, c'est à nous de le faire. Oui. Le travail commence par nous-mêmes, oui. vraiment. C'est pour ça que mon fils, c'était révélateur, parce que je ne pouvais pas lui dire « aime tes cheveux oui. », alors que moi, je ne les aimais pas. Oui. Donc, il faut vraiment que nous, on aime nos cheveux, qu'on les porte avec fierté, peu importe comment on les porte, mais oui. qu'on les assume. Oui. Peut-être qu'on les porte pour que les autres se disent « c'est vrai qu'ils sont beaux. Mmh. Et si on a des remarques pas forcément agréables, qu'on sache faire face avec fierté, mmh. parce qu'on sait qu'on a des beaux cheveux. Oui. Et pour les enfants, qu'ils sachent que quand leurs parents leur disent qu'ils ont des beaux cheveux, oui. quand ils sont à l'école et qu'ils subissent des moqueries, mmh. parce qu'ils ont des cheveux différents des autres, oui. qu'ils sachent qu'ils ont des beaux cheveux. Oui. Parce que c'est là où il peut y avoir le comment dire, c'est le là point, qu'ils peuvent voilà. se dire « ah, mais j'ai exactement. Pas de c'est cheveux. Là où oui. ça commence, en fait. C'est oui. à l'enfance. Et c'est vraiment important que les parents s'acceptent comme ils sont et fassent comprendre à leurs enfants qu'ils sont magnifiques tels qu'ils sont, oui. pour que dehors, quand ils font ils sont face à des personnes pas forcément bienveillantes, oui. qu'ils sachent se défendre ou en tout cas qu'ils soient armés oui. pour ce genre de situation. Pour vendre sur Zawema, est-ce que tu as des critères de sélection? En fait, l'objectif de Zawema, c'est vraiment d'offrir la globalité de tout ce qui existe sur le marché. D'accord. Vraiment, c'est d'offrir toute l'offre existante pour qu'on n'ait pas à se demander... Est-ce que je peux trouver ci? Est-ce que je peux trouver ça? Est-ce qu'ailleurs, ça existe ou ça n'existe pas? Mmh. Ma volonté, c'est vraiment de tout réunir, quelle que soit la naturalité. C'est-à-dire, ça peut être du bio, ça peut être des produits naturels ou bien des produits conventionnels oui. avec des produits chimiques. Mais l'idée, c'est d'offrir le choix aux consommateurs D'accord. de prendre ce qu'ils ont envie oui. et de sélectionner les produits qui sont dans leur budget, qui sont dans leurs moyens et qui sont aussi dans leurs critères. Mmh. Et l'avantage de Zawema, c'est que malgré toute cette profusion de produits, j'ai à cœur de faciliter la recherche. D'accord. Parce que moi-même, j'ai connu ça et je me perdais dans toutes ces oui. recherches. Donc vraiment, je me mets à la place du consommateur pour que quand il cherche un produit bio, il y ait une catégorie ou un filtre
qui lui permet de trouver tous les produits bio qui existent sur Zero Humain. D'accord. Ou bien, s'il a besoin de mettre en place une routine capillaire, eh ben, en fait, j'ai fait des catégories par type de cheveux. par étape de la routine capillaire, que ce soit pour le lavage, le coiffage, l'entretien, etc. D'accord. Ce qui fait que les gens peuvent se retrouver beaucoup plus facilement. D'accord. Que de se dire, bon, j'ai tout ça, qu'est-ce que je prends, je commence par quoi. J'essaie vraiment de simplifier la recherche. D'accord. Et du coup, j'ai remarqué aussi que sur le site, il y a le côté blog. Oui. Du coup, c'est bien. Tu peux nous parler un peu plus? Alors, le blog, en fait, j'ai beaucoup d'attentes concernant le blog parce que ma volonté, c'est vraiment de donner la parole aux consommateurs. D'accord. Via mon point de vue, via le point de vue des ambassadeurs et ambassadrices oui. avec qui je travaille. Oui. Et également, ça va aller plus loin, c'est de donner la parole à des personnes de tous les jours oui. pour qu'ils nous donnent, qu'ils nous fassent un retour d'expérience oui. sur leur vécu par rapport à leurs cheveux, comment ils se situent aujourd'hui par rapport à leurs cheveux, comment ils entretiennent leurs cheveux, est-ce qu'ils ont des conseils, est-ce qu'ils ont besoin de conseils. Donc, l'objectif, c'est vraiment de donner la parole et de faire en sorte que ça soit un lieu d'échange. D'accord. Et aussi où on peut apprendre des autres. Les uns des autres. D'accord. Alors aujourd'hui, si moi je suis vendeuse mm-hmm. et que j'ai envie de vendre mes produits sur Zero Humain, comment ça se passe? Alors c'est très simple. En bas de la page d'accueil, oui. Il y a un onglet qui s'appelle Vendre sur Zero Humain. D'accord. Et donc on s'inscrit dessus et moi je reçois la demande directement. Et par la suite, j'entre en contact avec la personne oui. pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'elle propose comme produit, où est-ce qu'elle est située, est-ce qu'elle a un statut juridique. Parce d'accord. que Zero Humain, c'est une marketplace qui travaille exclusivement avec des professionnels en tant que vendeur. D'accord. Et cela comprend même le statut d'auto-entrepreneur. Donc, il y a des conditions pour pouvoir proposer les produits sur Zero Humain. Mais c'est assez... les critères de sélection au niveau des produits, c'est assez large. Tant qu'on vend un produit, un service ou des accessoires qui sont adaptés, ce n'est oui. pas forcément exclusivement pour les cheveux bouclés, frisés et crépus, oui. mais qui sont adaptés à ce type de cheveux, là, on peut en discuter et mettre en place un partenariat. D'accord. Alors, niveau livraison, est-ce oui. que vous livrez dans le monde entier ou pour l'instant, c'est qu'en Europe? Alors, pour l'instant, c'est en Europe et la France essentiellement, puisque en fait, pour pouvoir vendre à l'international, il faut aussi communiquer à l'international. D'accord. Et aujourd'hui, j'axe la communication sur la France pour faire connaître la plateforme au niveau national. Oui. Et ensuite, pour l'Europe, et bien sûr, s'il y a des personnes qui sont dans le monde, qui sont intéressées par les produits qui sont sur Zero Humain, ils sont les bienvenus et ils peuvent recevoir les produits sans aucun problème. D'accord. C'est simplement au niveau de la communication, on a plus accès sur la France. Est-ce que plus tard, je ne sais pas, dans quelques mois, la communication va être plus... international, est-ce que c'est ce que... C'est ma volonté. D'accord. Vraiment, parce que je pense qu'au-delà de la problématique qu'on rencontre en France où il n'y a pas les produits qui sont adaptés à nos cheveux oui. Dans les commerces, il y a d'autres pays comme des pays d'Afrique oui. où il y a aussi un énorme besoin puisque quasiment toute la population est concernée par cette problématique-là. Oui. Et il n'y a pas forcément des produits qui sont accessibles dans le commerce. Et ma volonté, c'est vraiment de servir toutes les régions du monde. Donc là, il faut que je sois épaulée par une super équipe de communication oui. pour pouvoir vraiment élargir voilà, notre axe de communication. Mais c'est vraiment l'objectif. D'accord. Qu'est-ce que je peux souhaiter pour Zero Humain? Alors, ce que tu peux souhaiter pour Zero Humain, c'est en fait de... d'être la référence en termes de site internet pour les cheveux bouclés, frisés et crépus, oui. puisque l'objectif, c'est vraiment d'aider les gens à trouver les produits facilement, rapidement, et aussi de pouvoir comparer
les produits entre eux, les vendeurs entre eux. D'accord. Donc, c'est comme un supermarché, oui, où il y a différents magasins et du coup, on peut regarder tel magasin offre le même produit, mais celui-ci est moins cher ou les frais de livraison sont moins chers, oui, et du coup, faire son choix beaucoup plus facilement. L'objectif, c'est que les gens, quand ils ont besoin de produits capillaires pour leurs cheveux texturés, ils pensent à Zawema. Quels sont tes projets futurs? Alors, les projets futurs pour Zawema, ça serait de proposer plus de solutions aux consommateurs. Donc, à l'heure actuelle, on propose déjà des campagnes de tests qui permettent à différentes personnes sélectionnées de tester soit des produits, soit des prestations pour se faire une idée sur les produits par eux-mêmes. Et l'idée, c'est aussi de proposer ces produits sur le site avec les avis de ces consommateurs pour qu'ils puissent aider les autres consommateurs qui n'ont pas encore testé de se faire une idée et d'acheter beaucoup plus facilement. Et donc, je cherche des partenaires pour mettre en place ces campagnes de tests pour développer et offrir aux consommateurs encore plus de choix et leur donner la possibilité d'essayer encore plus de produits. Je cherche également des partenaires pour mettre en place d'autres projets qui seraient en fait de créer des ventes privées sur Zawema avec les produits capillaires, mais avec des prix beaucoup plus abordables pour que les consommateurs puissent les acheter plus facilement et découvrir des marques qu'ils n'auraient pas forcément achetées s'ils ne connaissaient pas. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont en préparation. Mais pour l'instant, c'est encore trop tôt pour les dévoiler. À l'heure actuelle, ce qu'on va focaliser, c'est vraiment de faire connaître Zawema tel que c'est aujourd'hui. Donc, avec une offre large de produits et accessoires liés aux cheveux texturés. Et après, voilà, on vous réserve plein d'autres surprises pour bientôt. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux femmes ou aux femmes, aux hommes, mm-hmm, qui souhaitent entreprendre? On nous dit beaucoup entreprenez, entreprenez. Moi, j'aime dire que oui, entreprenez quand vous êtes prêt et ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que toi, tu peux conseiller par exemple à des hommes ou femmes qui souhaitent entreprendre? Alors, en fait, quand on a cette envie depuis longtemps, mmh, moi, j'avoue que j'ai toujours eu envie d'entreprendre, mais je n'ai pas eu le courage de me lancer. Je n'ai pas eu l'idée qui me faisait dire « Non, mais là, il faut que j'y aille. » Parce qu'il y a l'idée aussi. Hein, oui. Parfois, on peut avoir 10 000 idées, mais il n'y en a qu'une qui est bonne. Mmh. Donc, il faut savoir quelle idée est vraiment viable, oui, peut faire vivre aussi parce que on a aussi des contraintes financières. Mmh. Donc, quand on a une idée auquel on croit vraiment et qu'on se dit on peut pas passer à côté, il faut se lancer. Et il faut pas attendre d'être prêt parce qu'on n'est jamais prêt. D'accord. C'est quelque chose que j'ai appris. C'est qu'on n'est jamais prêt. D'accord. Et en fait, on apprend en faisant. Et les solutions, on les trouve en étant confronté aux problèmes. D'accord. On ne peut pas résoudre tous les problèmes en étant dans son bureau et en imaginant toutes les situations, mmh, parce que ça ne se passe jamais comme on a prévu. Il y a toujours quelque chose auquel on n'a pas pensé qui arrive. Mmh. Mais on trouve toujours les ressources de résoudre ces problèmes, mmh, parce qu'en fait, c'est une idée auquel on croit, on est passionné et on est motivé. Il faut beaucoup de motivation. D'accord. Et une autre chose, c'est si on est bien entouré, oui, ça aide énormément. Mmh. Parce que quand on se retrouve seul, avec plein de choses à gérer, plein de problèmes à traiter, le fait de savoir que le conjoint ou les enfants ou la conjointe peut soutenir, mmh, ou nous laisser un peu tranquille pour pouvoir gérer les problèmes, oui, liés au boulot, oui, ça soulage, ça, d'accord, soulage beaucoup. Donc, il faut soi-même déjà se connaître et se dire, voilà ce que je veux et je vais y aller coûte que coûte. Ça, oui, c'est ma devise. Hein. Oui. Coûte que coûte. Et aussi avoir un entourage qui soit bienveillant, même, d'accord, si ils comprennent pas forcément ce qu'on entreprend, mmh, mais au moins,
qui nous aide et qui soit avec nous. Oui. Voilà, voilà. Il faut être entouré de sa famille. Exactement. Même des amis. Même des amis, d'accord. Oui. Et puis aussi à rencontrer des gens. D'accord. Je trouve que c'est vraiment bénéfique de partager les différentes expériences des entrepreneurs. Moi, ça m'avait beaucoup manqué. Alors du coup, est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer? Oui. Alors, je dirais, si vous cherchez des produits pour les cheveux bouclés, frisés et crépus, donc ça serait d'aller sur Zawema pour prendre connaissance de tout ce qui existe déjà. Il va y avoir encore d'autres produits, puisque là, je fais des partenariats. Mmh. Mais l'idée, c'est de découvrir ce qui est déjà là et de soutenir aussi ce projet qui, je pense, va grandir encore davantage. Et de commander, d'en parler autour de vous et de faire connaître la plateforme pour que ça puisse durer. Voilà. Merci. Merci à toi, Dida. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos, du coup, le lien du site Zawema et aussi le lien de ses réseaux sociaux. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.